On est toujours dans cette série intitulée « Extraordinaire » et c'est l'avant-dernier de la série. La série se termine dimanche prochain et aujourd'hui dans cette série « Extraordinaire », on va parler de temps, une question de temps ou de conjugaison. Quand on parle de temps, quand on parle de conjugaison, il y a le passé, le présent et le futur. Alors premièrement le passé, un passé extraordinaire. Et il faut reconnaître que lorsqu'on parle de Dieu, que lorsqu'on dit que Dieu est extraordinaire, on fait la majeure partie du temps référence au passé. On dit Dieu est extraordinaire parce qu'il a fait de grandes choses. Dieu est extraordinaire parce que ses œuvres sont formidables, parce qu'il a fait, il a délivré, il a sauvé, il a secouru. Et c'est ce qui se passe quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible, il faut le reconnaître, c'est d'une certaine manière des vieilles histoires. Ça s'est passé il y a quelques centaines, voire milliers d'années. Et on dit Dieu est extraordinaire parce qu'au temps de David, voilà ce qui s'est passé. Dieu est extraordinaire parce que voilà ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu est extraordinaire pour telle et telle raison. Et on fait bien de lire ces histoires-là, et même si c'est du passé, ça nous parle d'un Dieu extraordinaire. Deutéronome, chapitre 7, verset 17. Voilà ce que Dieu dit au travers de Moïse. Deutéronome, chapitre 7, verset 17. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ?» C'est une vieille question, mais qui peut être d'actualité ce matin, en disant peut-être tu te dis dans ton cœur ce matin, c'est plus grand que moi, j'y arriverai pas. Ça me dépasse. La maladie est trop grande, les épreuves sont trop grandes, j'ai trop de problèmes financiers, c'est trop, je suis pas capable. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ce mode-là ce matin et qui se posent la question, mais comment est-ce que ça pourrait marcher? Comment est-ce que je pourrais les chasser? Comment est-ce que je pourrais en sortir vainqueur? Comment est-ce que je pourrais relever la tête? Et Dieu anticipe cette question, puisque au travers de son serviteur Moïse, il dit « Peut-être diras-tu dans ton cœur ». Dieu sait ce que l'on va penser. Dieu sait, il nous connaît bien et il sait bien comment on réagit. Et il dit « Peut-être que dans ton cœur, tu seras découragé ». Peut-être que dans ton cœur, tu diras, je ne m'en sortirai pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais voilà la réponse de Dieu, verset 18. « Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. » Et voilà la réponse de Dieu à son peuple. Il dit, « N'aie pas peur de toutes ces nations, n'aie pas peur de ces multitudes, n'aie pas peur de ces ennemis qui sont plus nombreux que toi, ne les crains point. » N'aie pas peur d'eux. Et ce matin, Dieu veut te dire la même chose. N'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce qui te submerge, de tout ce qui est autour de toi, de tout ce qui t'intimide. Ne les crains point. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Rappelle-toi. Rappelle à ton souvenir. Et ce matin, je vous invite à vous rappeler, à aller faire un tour dans le passé et à regarder ce qui s'est passé autrefois. Et Dieu dit à son peuple, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Et certains se disent, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Ah, là, il y a vraiment besoin d'un rappel, hein. Qu'est-ce que Dieu a fait à Pharaon? Il l'a noyé, non? Pharaon était en train de poursuivre le peuple hébreu qui quittait l'Égypte. Et puis, il pensait les avoir là parce qu'ils étaient pris dans une impasse. Mais voilà que Moïse ouvre la mer rouge. Dieu ouvre la mer rouge, Moïse lève la main. Et puis, la mer s'ouvre et le peuple passe par la mer. On ne construit pas de pont, on bouge l'eau, ça va plus vite. Et donc, il passe là au milieu de la mer. Et que fait l'armée de Pharaon? L'armée de Pharaon les poursuit et se dit, si eux, ils ont pu passer par là, nous aussi, on va passer par là. Et donc, ils rentrent dans la mer. Et là, par contre, la mer lâche quelque part. Les murailles d'eau tombent et puis noient l'Égypte, Pharaon, toute l'Égypte, toute l'armée d'Égypte avec ses chars et ses chevaux. Et Dieu est en train de dire au peuple, souviens-toi, tu étais dans une impasse.
tu étais dans une position où tu disais, on est perdu là, on ne s'en sortira jamais. Tu étais dans une position où tu disais, mais là, je suis devant, il y a la mer devant et il y a l'armée de Pharaon derrière. On est foutu, on ne s'en sortira jamais, on va tous mourir. Vous avez déjà dit ça quelques fois, c'est fini, on va mourir, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et Dieu a ouvert un chemin. Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Et ce qui était impossible, Dieu l'a fait. Ils étaient persuadés qu'il n'y avait plus d'espoir, mais Dieu avait une solution qu'ils n'avaient jamais pensé que ça pourrait arriver. C'est moi vous dire qu'il n'y a personne qui a dit « Ah, je le savais, il allait ouvrir la mer ». Il n'y a personne qui a eu cette idée-là. Tout le monde s'est dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils étaient déjà en train d'écrire leur dernière volonté, dire au revoir, faire leur testament, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais personne ne s'est dit « Dieu va ouvrir la mer ». Et peut-être que ce matin, tu es dans une impasse et tu dis « Mais Dieu ne pourra jamais rien faire pour moi ». Mais il y a une solution que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Et Dieu rappelle quelques années plus tard à son peuple, n'aie pas peur de tes adversaires, n'aie pas peur de l'ennemi, n'aie pas peur des nations qui sont autour de toi. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait en Égypte avec Pharaon. Et ce matin, on doit se rappeler de ces histoires-là. Ce matin, on doit se rappeler de ce que Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ce matin, on doit se rappeler de toutes ces histoires de la Bible parce que ça nous amène à une seule conclusion. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui fait de grandes choses. Un Dieu qui fait ce qu'on n'est pas capable de penser, qui est capable d'ouvrir la mer, qui est capable d'abattre les murailles de Jéricho, qui est capable de toutes sortes d'exploits et de prodiges. Le Dieu que nous avons a fait des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on peut dire ce matin, il est extraordinaire. Encore dans les psaumes, psaume 77, toujours cette idée de se rappeler. Psaume 77, verset 12. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Dans la Bible en français courant. Est-ce que ce matin, tu te souviens de tout ce que le Seigneur a fait? Et c'est bon de regarder en arrière. Il y a ce vieux chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. » Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est quand la dernière fois que tu as compté les bienfaits de Dieu? C'est quand que la dernière fois que tu t'es placé là, tu as médité? Tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu a fait ces derniers temps? Qu'est-ce que Dieu a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et c'est bon de s'en souvenir. Parce que c'est injuste quelque part quand quelqu'un dit aujourd'hui, Dieu fait rien. Attends, tu as la mémoire courte. N'oublie pas, souviens-toi. Je me souviens de tout ce que tu as fait, Seigneur, et j'évoque tes merveilles d'autrefois. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin, c'est vrai, Dieu a fait des merveilles, il a fait de grandes choses, et je me souviens de toutes les choses. Peut-être qu'on en a oublié quelques-unes, mais on veut se souvenir de toutes les merveilles d'autrefois. Ça continue au verset 13. Je réfléchis à tes exploits, je médite tes actes mémorables. C'est quand la dernière fois que vous avez réfléchi aux exploits de Dieu, que vous avez médité ces actes mémorables, de dire, waouh, on a un Dieu formidable. On a un Dieu qui fait de grandes choses. Verset 14, ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est plus grand que toi. Verset 15, tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu as montré ton pouvoir aux autres peuples par ta vigueur. Tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Waouh ! Dieu fait de grandes choses. Qu'on se souvienne ce matin de tout ce qu'il a fait de grand. Le psaume 103, je continue avec quelques psaumes comme ça, puis il y en aurait tellement à dire. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mais regardez le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ça marche ensemble.
Si tu veux bénir l'Éternel ce matin, si tu veux louer son nom, si tu veux l'adorer, tu te souviens de tout ce qu'il a fait et tu as des bonnes raisons pour le louer. Tu te souviens de tout ce qu'il a accompli et tu auras de bonnes raisons de le bénir ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut pas qu'on soit des enfants ingrats. Vous savez, ceux qui sont pas reconnaissants et qui, quelque part, oublient toutes les bonnes choses qu'on leur a faites. Qu'on puisse dire, Seigneur, je me souviens de tous tes bienfaits. Je me souviens de tous tes bienfaits d'autrefois, ce que tu as fait avec le peuple d'Israël, ce que tu as fait depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je me souviens de tout ce que tu as fait dans les temps anciens. Mais je me souviens aussi de ce que tu as fait quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Peut-être certains diront, je me souviens comment il m'a protégé, comment il m'a gardé. J'aurais dû mourir dans un accident, mais Dieu est intervenu. Et d'autres diront, je me souviens de ceci, je me souviens du jour où mes yeux se sont ouverts, où son amour m'a saisi, où je me suis converti, où j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me souviens de comment il a pris soin de moi, comment il m'a béni, comment il m'a fortifié, comment il m'a encouragé, comment il était là dans les moments difficiles, quand je passais par des temps durs, il était là, il m'a soutenu. Est-ce que vous vous souvenez de ces choses ou vous les avez oubliées? Souviens-toi de tous les bienfaits de l'Éternel. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et quand tu te souviens de tout ce que Dieu a fait de bon pour toi, tu peux que dire il est extraordinaire. Il fait de grandes choses. Mon âme oublie aucun de ses bienfaits. Et continue au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire, il m'a pardonné. J'étais pécheur, j'étais perdu, il m'a pardonné. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ça? Vous en souvenez? Est-ce que vous vous le rappelez de temps en temps? Ou tu dis, oh, ça c'est du passé, maintenant je fais autre chose. Non, oublie pas les bienfaits de l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris dans ce lieu? Est-ce que vous en souvenez? N'oubliez pas ces choses. Et que personne n'oublie que, waouh, il est celui qui a guéri là. Il a guéri la sœur untel, il a guéri le frère untel, il m'a guéri, il a guéri dans ma famille. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Parce que sinon, imaginez comment ça peut être injuste et ingrat que quand quelqu'un se présente devant Dieu et qui dit, Seigneur, tu n'as jamais rien fait pour moi. Vraiment, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Fais attention à ce que tu dis. Tu dis, mais Seigneur, où tu es, tu ne fais rien. Il n'a rien fait. Souviens-toi de tout ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi de tous ces bienfaits qu'il t'a accordés. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. On a un psaume ici qui est écrit à l'époque de Moïse, à l'époque de David. Et au temps de David, on se souvient de ce que Dieu a fait à l'époque de Moïse, quelques centaines d'années auparavant. Ils n'ont pas oublié. Mais même si là, on est bien plus tard, ils n'ont pas 1000 ans. On est bien plus tard, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé avec Moïse. Je ne dis pas, oh, ça c'est de la vieille histoire. Non, non, ce que Dieu a fait, même il y a 1000 ans, ils s'en souviennent encore. Et nous aussi, on doit se souvenir, même si c'est des vieilles histoires, on doit se souvenir que ce que Dieu a fait autrefois, on se souvient de ce que Dieu a fait hier, de ce que Dieu a fait il y a 10 ans, de ce que Dieu a fait il y a 5 ans, et on n'oublie pas ces choses. Vous allez dire, non, mais là, c'est... Personne ne peut oublier. Pourtant, l'apôtre Paul écrit à Timothée. J'arrive dans le Nouveau Testament et il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Et quand on y réfléchit bien, Paul écrit à un pasteur et il dit au pasteur, « Oublie pas Jésus. » Et si Timothée a besoin d'entendre ça, est-ce qu'on n'a pas besoin de l'entendre, nous, ce matin ? « Souviens-toi de Jésus. » Garde les yeux fixés sur lui. Sois pas là dans toutes sortes de préoccupations, dans toutes sortes d'affaires, au point que tu oublies Jésus.
issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. C'est quand la dernière fois que tu as médité sur ces choses, je sais qu'il y a Pâques qui s'en vient bientôt, mais c'est quand la dernière fois que tu as médité sur ces choses et tu dis, waouh, Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité. Il a eu la victoire sur la mort. Et en lui, j'ai la victoire. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit ça, que tu te souviens de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait pour toi. Paul dit à Timothée, n'oublie surtout pas, souviens-toi. Et je pense que c'est une exhortation pour nous tous ce matin. Le Seigneur veut nous dire, souviens-toi, n'oublie pas. Et Jésus lui-même nous le dit. Vous vous souvenez de ça? Jésus lui-même dit, et je vais le lire dans Luc, Luc chapitre 22, verset 19, voilà ce que dit Jésus. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et quand Jésus institue la communion, l'Eucharistie, la Sainte Cène, il dit, « Faites ceci pour ne pas m'oublier, faites ceci pour vous souvenir de moi. » Faites ceci pour vous souvenir de ce corps qui a été brisé à la croix. Faites ceci pour vous souvenir du sang de la nouvelle alliance. Ne l'oublie pas. Et ce matin, quelle tristesse si on oublie ces choses. Jésus dit, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est pour ça qu'il nous donne un symbole, un geste, un rituel, appelez ça comme vous voulez. Mais il nous dit, faites ceci afin de ne jamais oublier. Parce que si on oublie ce que Jésus a fait, mais on a tout perdu. Si on oublie ce que Jésus a fait sur une croix, si on oublie le sens de la croix, si on oublie qu'il est mort et ressuscité pour nous, si notre seule préoccupation, c'est les impôts, c'est ça votre préoccupation actuellement? C'est ce que vous allez manger à midi? Ah, il y en a, il m'a pogné là. C'est quoi vos préoccupations? Et Jésus dit, m'oublie pas, faites ceci en mémoire de moi. Et il faut qu'on se souvienne, parce que l'image, comment dire, la perception de Dieu, qui est Dieu pour vous, dépend de ce que vous vous souvenez ou pas. Plus vous vous souviendrez de tout ce que Dieu a fait pour vous, et plus vous le trouverez extraordinaire. Plus vous vous souviendrez de tous ses bienfaits, ses bontés, et plus vous allez dire « il m'aime ». Mais si vous ne vous en souvenez pas, si vous ne vous souvenez pas de tout ce que Dieu a fait de bon pour vous, vous risquez, quand les choses vont mal, de dire « Dieu ne m'aime pas ». Celui qui dit ce matin « Dieu ne m'aime pas », c'est qu'il ne se souvient pas de tout ce que Dieu a fait de bien pour lui. Si quelqu'un dit ce matin « mais Dieu n'est pas avec moi », c'est que tu as oublié toutes ses promesses. Et toutes les fois où il était là pour toi. Ce matin, souviens-toi de Jésus-Christ. Fais ceci en mémoire de lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à peu près la même chose. Hébreux chapitre 12, verset 3. Et je lis ça dans la Bible en français courant. Il dit, « Quant à nous, nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. » On a parlé de ce passage-là dimanche passé, mais regardez ce qu'il dit au verset 3, « Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre et vous ne vous découragerez pas. » Si vous ne voulez pas vous laisser abattre ce matin, si vous ne voulez pas laisser le découragement venir vous submerger,
pour ne pas te décourager ce matin, pour ne pas être abattu, qu'est-ce qu'il faut faire? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit simplement, pense à lui. Souviens-toi de Jésus, regarde-lui, regarde ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu penses à lui, quand tu te souviens de tout ce qu'il a fait pour toi, tu dis, waouh, mon Dieu est extraordinaire. Il m'aime d'un amour si grand, d'un amour si fort. Il a prouvé son amour pour moi en mourant à la croix. Comment est-ce qu'aujourd'hui je pourrais douter de l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire est-ce que Dieu m'aime? Quand tu te souviens qu'il t'a aimé au point de donner son Fils pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu te souviens de ces choses, tu ne pourras plus jamais te penser, tu ne pourras plus jamais te poser la question, est-ce que Dieu m'aime? Tu sais qu'il t'aime, parce que tu t'en souviens, parce que tu te rappelles de cet acte d'amour, de ce geste d'amour qu'il a manifesté pour toi. Il t'a tant aimé. Et quand tu te souviens de toutes les fois où il était là pour toi, de toutes les fois où il t'a relevé, de toutes les fois où il t'a secouru, où il t'a pris par les bras, où il t'a entouré, où il t'a pris par la main, où il t'a fait du bien. Quand tu te souviens de toutes ces fois, tu dis, mais je sais qu'il m'aime, qu'il prendra soin de moi. Souviens-toi, c'est important d'avoir les yeux fixés sur le passé, de regarder les choses anciennes et de dire, Dieu est extraordinaire. N'oublie surtout pas. Maintenant, quand on parle de Dieu extraordinaire, quand on dit on a un Dieu extraordinaire, logiquement et puis d'une manière très naturelle, on dit oui, il est extraordinaire parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et je pense peut-être que 90% de nos pensées vont dans ce sens-là. Mais j'aimerais qu'on corrige un peu ça. En disant oui, nous disons ce matin que Dieu est extraordinaire parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais pas seulement parce qu'il a fait. Parce qu'il l'a fait encore. Et Dieu est extraordinaire aujourd'hui encore. Pas seulement Dieu était extraordinaire. Dieu a fait des choses extraordinaires. Waouh, c'est formidable ce que Dieu a fait autrefois. Mais aujourd'hui, et j'aimerais vous inviter à conjuguer ça au présent, un présent extraordinaire. Dieu ne veut pas être le Dieu extraordinaire du passé. Il veut être le Dieu extraordinaire du présent aussi. Pas simplement dire « Mon Dieu est extraordinaire parce qu'autrefois, il a fait des choses extraordinaires. » Pas simplement dire « Oui, moi j'aime Dieu, je bénis Dieu, je sers Dieu parce que quand j'étais jeune, il a fait des choses extraordinaires pour moi. » Parce qu'il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il a fait des choses extraordinaires pour moi. Et aujourd'hui, il ne fait plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours extraordinaire ou il était extraordinaire seulement autrefois? Le présent doit être extraordinaire aussi. De dire que ce n'est pas seulement le passé qui est extraordinaire, mais le présent est extraordinaire. 2 Corinthiens 5, 17, il y a tellement de versets là que j'en ai choisi juste quelques-uns. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on y réfléchit bien, toute chose qui devient nouvelle, ça doit être des bonnes choses, hein. Ça doit être des choses extraordinaires. Dieu fait en nous des choses extraordinaires. Je relis ça dans la Bible en français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et c'est important ce matin de dire, mais le Dieu extraordinaire que je connais, ce n'est pas seulement un Dieu extraordinaire parce qu'il a fait des choses extraordinaires. C'est un Dieu qui est toujours extraordinaire aujourd'hui et qui continue à faire des choses extraordinaires. Et en préparant le message, je pensais à Galates chapitre 2, verset 19. Je lis ça dans la Bible en français courant. « Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et donné sa vie pour moi. » Je relis ça dans la Louis II. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit
en moi. Et comprenez la conjugaison ici. Il ne dit pas c'est Christ qui est venu en moi. Il ne dit pas c'est Christ qui a fait quelque chose pour moi autrefois. Il dit c'est Christ qui aujourd'hui, au présent, vit en moi. Est-ce qu'aujourd'hui Christ vit en vous? Ou est-ce que c'est juste, ah je me souviens quand je me suis converti, waouh, dans mon cœur ça brûlait, il y avait un moment de joie, c'était intense, c'était profond, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Christ vit en toi? L'apôtre Paul dit, si je suis vivant, et on en a parlé dimanche passé, si je suis vivant, si je suis spirituellement vivant, Christ vit en moi. Et ça, c'est extraordinaire. Si Christ vit en toi, c'est pas n'importe quel principe de vie qui est en toi. C'est Christ. C'est le ressuscité. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui vit en toi. Waouh ! C'est pas du passé, c'est du présent. Il vit maintenant en toi. L'apôtre Paul garde cette image aux Corinthiens en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Il vit en toi. Mais écoutez, si Jésus vit en moi, ma vie ne doit pas être plate. Non? Si Jésus vit en moi, si Jésus est dans ma vie, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, ben ça peut être qu'une vie extraordinaire. Et notre Dieu extraordinaire n'est pas juste le Dieu extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires dans le passé, mais il est toujours vivant. Et c'est le Dieu extraordinaire du présent aussi. En ce qui concerne notre propre vie, on en parlera plus dimanche prochain, mais nous sommes dans le présent de Dieu. Encore un autre passage dans le prophète Malachie qui dit dans Malachie chapitre 3 verset 6, « Moi, dit Dieu, le Seigneur, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Il ne change pas. Si nous disons « Il est extraordinaire parce qu'il a fait des choses extraordinaires », il est toujours extraordinaire. Et il fait toujours des choses extraordinaires. Il ne change pas. Si nous disons que Dieu est grand parce qu'il a fait de grandes choses, ben il le fait encore. Il fait toujours de grandes choses. Si nous disons c'est formidable ce que Dieu a fait quand il a ouvert la mer Rouge et comment il a délivré le peuple d'Israël, mais il le fait encore. Et pour toi, et pour moi, et pour nous, il fait encore des choses extraordinaires. Et même dans une impasse, dans une impossibilité, tout devient possible avec Dieu. Il ouvre des portes qui ne sont pas ouvrables humainement. Il crée des chemins qui n'existent pas. Et même s'il faut pousser l'eau, eh bien, il le fera. Il fait des choses extraordinaires. L'apôtre Jacques dit la même chose. Jacques, chapitre 1, verset 16. Et son introduction est un peu spéciale. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ça veut dire, fais attention là. À pas mal interpréter. Fais attention à ne pas te tromper. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ne vous y trompez pas. Ne trompe pas ce matin. Ne comprends pas les choses de travers. N'aie pas une mauvaise perception, une mauvaise compréhension. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, dit l'apôtre Jacques, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il dit, Dieu est celui qui bénit parfaitement. Il y a des dons parfaits, des grâces excellentes de ce Père des Lumières qui ne change pas. Et il n'y a pas en lui l'ombre d'une variation. C'est normal qu'il n'y ait pas d'ombre en Dieu, puisque c'est la lumière qui vient de lui. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne vous y trompez pas. À dire, oui, bon, on le sait.
On le sait peut-être, mais des fois pas. Et on doit s'en souvenir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que Dieu a changé d'avis? De dire, il m'a sauvé, il m'était favorable. Est-ce qu'il a changé d'avis? Et l'apôtre Jacques dit, Dieu ne change pas. Hein. Si tu as fait une promesse, elle est toujours valable. Les hommes sont capables de changer d'avis. Les hommes sont capables de décevoir et de vous dire quelque chose, puis finalement pas le faire. De vous promettre quelque chose, puis finalement dire, ah ben j'ai changé d'avis, ça ne marche plus. Dieu ne fait pas ça. Il ne change pas. Il n'y a même pas l'ombre d'une variation. Quand il dit qu'il nous aime, il nous aime. Il ne change pas d'avis. C'est triste de voir, au niveau de l'amour et de l'amour conjugal, de voir un jeune homme, une jeune femme, qui vont se promettre fidélité et de dire qu'ils s'aiment. Puis c'est formidable un jour de mariage, hein? Il y a de la fête. Puis on dit, waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air beaux, ces deux jeunes tourtereaux. Non? Vous n'avez jamais dit ça? Ils sont toujours beaux, les jeunes mariés, hein? Vous avez remarqué? Non? Peut-être pas. Et on dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils s'aiment. C'est formidable. Mais quand, quelques années plus tard, on dit, je t'aime plus, c'est triste. Et peut-être que certains pensent que Dieu fonctionne comme ça. Qu'à un moment donné, on est là en amour avec lui, que lui nous aime, et puis qu'à un moment donné, il change d'avis, et puis il dit, ah ben, les choses vont moins bien dans ma vie, peut-être que Dieu ne m'aime plus, peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'avant, il était avec moi, puis là, il n'est plus avec moi. Et l'apôtre Jacques dit, ne te trompe pas, ne comprends pas de travers, arrête de penser des choses fausses, ne vous y trompez pas, Dieu ne change pas. Il n'y a pas de changement. Il y a quelqu'un qui il y a une épouse qui disait à son mari, mais est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes toujours? Vous savez, hein? Puis ça faisait quand même quelques années qu'ils étaient mariés. Et puis il lui dit, mais c'est quand la dernière fois que je t'ai dit que je t'aimais? Il dit, ben au mariage. Ça fait 20 ans. Bon. Et il lui dit, bon, le jour où change ta vie, je te le dirai. Dieu, lui, ne change pas d'avis. Et s'il nous a dit qu'il nous aimait, il nous aime encore. S'il nous a dit qu'il est avec nous, et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, il est toujours là. Il n'a pas changé d'avis. S'il nous a promis qu'il prendrait soin de nos besoins, il n'a pas changé d'avis en disant, oui, mais ça, c'était pour avant, maintenant, c'est plus pareil. Non, il n'a pas changé d'avis. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Le Dieu extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires dans le passé est le même Dieu aujourd'hui qui fait des choses extraordinaires. Et c'est important quand on se souvient du passé qu'on arrive à l'actualiser dans le présent. Qu'on soit pas juste, vous savez, des nostalgiques qui disent « Ah, c'était tellement bien autrefois. » Mais c'est pareil aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Non ? Certains diront, ah, autrefois, Dieu était tellement bon, pourquoi il ne l'est plus maintenant? Autrefois, Dieu faisait des grandes choses, pourquoi il n'est plus capable maintenant? Autrefois, ben oui, formidable pour les choses d'autrefois. Mais les choses d'autrefois nous amènent dans le présent et nous disent ce que Dieu a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Et quand on lit les histoires de la Bible, et c'est pour ça que la Bible est une source d'encouragement et qui vient fortifier notre foi. Parce qu'on dit, mais il a fait des grandes choses à l'époque de Moïse, il a fait des grandes choses à l'époque de Josué, il a fait de grandes choses avec David, avec les prophètes, les héros et puis tous les juges. Il a fait des choses formidables. Mais ce qui est encourageant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas changé. Et que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui encore. Il n'y a chez lui aucun changement. Troisièmement, un futur extraordinaire. Et là, je vous invite à penser ce matin que quand on dit que Dieu est extraordinaire, il ne faut pas simplement qu'on dise Dieu est extraordinaire parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il ne faut pas qu'on dise simplement Dieu est extraordinaire parce qu'il est en train de faire des choses extraordinaires. Mais qu'on soit même capable de dire Dieu est extraordinaire parce qu'il va faire des choses extraordinaires encore. Vous savez, quand on fait une promesse à quelqu'un et que la personne croit que vous allez répondre à votre promesse, vous devenez déjà un héros, non?
quand un enfant veut un cadeau pour Noël, il y a quelqu'un qui, quelque chose qui tient beaucoup, hein, je ne sais pas si c'est un bicycle rouge ou si c'est une console PlayStation ou je ne sais pas quoi, mais quand quelqu'un, et puis que les parents disent, c'est bon, tu l'auras à Noël. Il ne dit pas, ouais, attends, tant que je ne l'ai pas, il y a déjà de la joie sur son visage. Et vous êtes déjà le meilleur des papas, la meilleure des mamans, mais vous n'avez rien donné. Vous lui avez juste dit, tu l'auras à Noël, ou tu l'auras pour ta fête. Vous avez noté ça? Mais c'est pareil avec Dieu. Si on croit les promesses de Dieu, et quand Dieu nous dit, je te bénirai, je vais te délivrer, je vais prendre soin de toi, même si on ne le voit pas encore, on sait qu'il est extraordinaire. Parce qu'il nous a dit qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Et on le prend, on le croit. C'est ça la foi. Regardez Colossiens chapitre 1 verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi vous les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, on a cet espoir glorieux. On a cette assurance. Alors, l'espérance de la gloire, c'est évidemment une valeur eschatologique, c'est-à-dire fait référence à la fin des temps, de dire on sait parce que Christ est en nous que mes yeux verront Jésus. On chantait ça? Vous le chantez encore? On l'a chanté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est ça l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est je sais qu'il est allé me préparer une place et que je serai au ciel avec lui. Waouh! Il nous a fait connaître la glorieuse richesse de ce mystère, l'espérance de la gloire. Éphésiens, chapitre 1, verset 16, il dit la même chose. Je lis ça dans la Bible en français courant. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Et c'est la prière de Paul pour les Éphésiens, que Dieu vous donne de comprendre, de voir par sa sagesse, par cet esprit de sagesse, et que vous puissiez vraiment connaître. Vraiment connaître quoi? Verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous le comprenez ça ce matin? Afin que vous compreniez l'espérance, à quelle espérance il vous a appelé, la richesse, la splendeur. Ça a l'air intéressant comme mot ça. Vous êtes appelé à la richesse et à la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est pour vous. Verset 19, quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Vous avez vu le mot ici? Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Cette puissance, c'est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Je prie que l'esprit de sagesse vous éclaire, vous révèle et que vous compreniez la richesse, la splendeur de tout ce que Dieu veut vous donner. Il veut vous donner de grandes choses et des choses extraordinaires parce qu'il fait des choses extraordinaires. Il a fait des choses extraordinaires et il a en réserve pour nous encore des choses extraordinaires. Évidemment, cette espérance, elle est déjà au niveau du futur. Et certains, malheureusement, limitent ça juste au futur éloigné, en disant « Oui, Dieu va me faire du bien quand je serai au ciel. Oui, Dieu va me bénir quand je serai au ciel. » Et c'est vrai que quand on sera au ciel, on va être là entouré de la richesse extraordinaire, de la splendeur, de tout ce qu'il a en réserve pour nous, ce qu'il a préparé pour nous. Et c'est vrai que c'est notre espérance. Mais pas simplement et uniquement pour la fin des temps, mais aussi pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, mais aussi pour la semaine prochaine, non?
Est-ce que Dieu va vous bénir seulement quand vous serez au ciel? Ou il veut vous bénir cette année? Est-ce qu'en 2017, Dieu a des biens pour vous? Est-ce qu'il a des bénédictions pour vous? Est-ce qu'il a en réserve des bienfaits pour vous? Puis soyez logique. Si Dieu vous a béni l'année dernière, si toutes les bénédictions, c'est que au ciel, pourquoi il vous a béni l'année dernière? C'était pour le ciel, ce n'était pas pour le temps présent. Mais alors, attendez, Dieu est capable de nous bénir dans le passé, il est capable de nous bénir dans le présent, mais il est capable de nous bénir cette semaine, ce mois-ci, cette année, et dans les années à venir. Ce n'est pas juste quand je serai au ciel, tout ira mieux. C'est vrai, quand on sera au ciel, on sera béni d'une bénédiction incroyable. Mais c'est aussi cette semaine. Quand on parle de guérison, il y en a qui ont tendance à dire, mais au ciel, on sera guéri. Gloire à Dieu, au ciel, il n'y aura plus de douleur. Au ciel, il n'y aura plus de mal au dos, il n'y aura plus d'arthrite, il n'y aura plus de rhumatisme ou tout ce qui vous fait mal et vous empêche de dormir. Il n'y aura plus ça au ciel. Formidable, hein? Même plus de fatigue. Alors quelqu'un dit, bon ben voilà, quand il nous promet qu'il va nous guérir et qu'il va prendre soin de nous, c'est pour le ciel. Soyez logique. Si toutes les promesses de guérison, c'est pour le ciel, pourquoi Dieu guérit aujourd'hui encore et l'année dernière? C'est parce que la guérison, c'est aussi pour maintenant. C'est vrai qu'au ciel, on sera béni d'une bénédiction extraordinaire. Mais la bénédiction extraordinaire, elle est aussi pour demain, pour cette semaine, pour cette année, pour aujourd'hui. Je lis Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Et je souligne ces mots. Il ne dit pas « la puissance qui va agir en vous ». Elle agit déjà. Il peut faire par cette puissance qui déjà agit en toi, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et notez bien que l'Église, c'est maintenant. Et cette gloire est manifestée maintenant. Je prends quelques paroles de Jésus pour vous montrer que Jésus lui-même nous encourage dans ce sens-là. Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est Jésus qui parle, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et là encore, on a une question de conjugaison qui est importante. Il dit, ce que tu demandes au présent, tu crois que tu l'as reçu au passé et tu le verras s'accomplir au futur. Est-ce que vous me suivez là? Tu demandes, tu dis ça y est. Il te dit, c'est fait, tout est accompli. Tu crois que tu l'as reçu, même si tu ne le vois pas encore. C'est parce que Jésus dit ici, on va relire cette phrase, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu demandes, tu crois, c'est la foi que tu mets dans sa promesse, tu crois que c'est fait, que tu l'as reçu et tu vas le voir s'accomplir. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on ait cette simplicité de dire, il n'est pas simplement formidable pour les choses passées, il n'est pas simplement formidable pour ce qu'il fait maintenant, mais il est formidable parce qu'il donne ce que je demande. Et je le verrai s'accomplir. Et parce que je sais que je le verrai s'accomplir, je sais qu'il est formidable. Matthieu chapitre 21, verset 22, Jésus dit encore, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et on a tendance des fois à contredire Jésus, hein, surtout les théologiens modernes ont l'impression qu'ils ne sont pas d'accord avec Jésus. Ils vont dire « Non, écoutez, c'est plus compliqué que ça. Moi, je prends juste la parole de Jésus. » Et Jésus dit tout. Non? C'est pas comme ça dans votre Bible? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et on n'est pas avec un contrat d'assurance ici, où il y a une petite étoile, puis il faut aller lire en petit bas, sauf en cas de cancer de la prostate, de troubles mentaux, de je ne sais pas quoi, en cas de rhumatisme ou diabète. Non, il n'y a pas d'exclusion. Il dit tout.
Peut-être que ça paraît trop simple, mais c'est ça le problème. C'est qu'on a tendance à compliquer les choses. Et Jésus dit que pour voir le royaume de Dieu, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être semblable à un petit enfant. Et avoir cette simplicité de dire, Seigneur, tu as dit que tout ce que l'on demande avec foi par la prière, on peut le recevoir. Et si vous allez au bout de cette logique, vous arrivez à cette déclaration, mais alors tout est possible. Ben, c'est ce que Jésus dit. Tout est possible à celui qui croit. Je reprends Jean chapitre 15, verset 7. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Là, il y a condition sine qua non. Il faut demeurer en lui, puisque c'est Christ qui vit en nous et qui amène la puissance qui agit en nous. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et quelqu'un dira, mais alors je peux demander à gagner au 6,49? Si ces paroles demeurent en toi, tu vas avoir des désirs conformes à sa parole. Si ces paroles ne demeurent pas en toi, tu vas avoir des désirs conformes à ta chair et aux principes de ce monde. Mais si sa parole demeure en toi, tu vas vouloir ce que Dieu veut. Et si tu demandes à Dieu ce qu'il veut, bah évidemment qu'il va te le donner puisque c'est sa volonté. C'est quand tu demandes à Dieu ce que Dieu ne veut pas que là il y a un problème. Mais si ses paroles demeurent en toi, tu es en harmonie, en phase avec la volonté de Dieu. J'arrive à Jean 11, 40, puis la conclusion est proche. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais vraiment, puisqu'on est, je ramène le thème de la série ici, on dit que Dieu est extraordinaire. Mais j'aimerais ce matin qu'on ne dise pas seulement Dieu est extraordinaire parce qu'il a fait de grandes choses. Qu'on ne dise pas seulement Dieu est extraordinaire parce qu'aujourd'hui je suis sauvé, il vit en moi, j'ai son esprit qui m'anime, il me fait du bien, je suis bien dans sa présence, pas seulement ça. Mais qu'on puisse dire avec foi, Dieu est extraordinaire. Parce que dans ce combat, j'ai la victoire. Parce que dans ce défi, j'ai la solution. Parce que dans cette épreuve, je sais qu'il se lève, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Parce que dans cette tension et dans cette crise, je sais qu'il est la réponse. Et je sais déjà, je peux déjà affirmer qu'il est formidable. Même si je suis au milieu de la tempête, je peux dire mon Dieu est formidable parce qu'en lui, je suis plus que vainqueur. Parce qu'en lui, j'ai la solution, il y a le miracle qui vient. Même si je suis dans une impasse, je peux proclamer avec foi, il est formidable parce qu'il va ouvrir une porte. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, c'est voir combien Dieu est formidable et le voir maintenant. Je t'invite à par la foi, dire mais... Et on l'a chanté tout à l'heure, même si tu vis des choses difficiles et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, tu as l'impression d'être en disant, oui mais là, ça ne marche plus, les nouvelles ne sont pas favorables. Abraham a cru contre toute espérance. Malgré tout, et puis on en a parlé dimanche passé, je ne vais pas refaire la prédication dimanche passé, ceux qui n'étaient pas là, elle est sur internet encore. Et Abraham a cru, même si tout lui disait qu'il ne fallait pas croire. Et quand on a les yeux fixés sur Jésus, quand on sait qu'il est formidable, quand on croit et quand on met notre foi en lui, on peut par la foi dire, waouh, même si je ne vois rien maintenant, par la foi, je vois que tu vas être formidable dans cette situation aussi, que tu vas être formidable dans ce défi aussi, qu'il y a une réponse formidable de Dieu, extraordinaire, dans mon défi. J'arrive à la conclusion, les musiciens peuvent s'approcher. Je rappelle simplement, parce qu'il faut le rappeler, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, il faut s'en souvenir, il ne faut jamais l'oublier. Jésus est le même. Quand on lit ces merveilleuses histoires de l'Évangile, il n'a pas changé.
quand on lit dans l'Évangile que partout où il allait, il guérissait les malades, il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'avis. Sa compassion est toujours la même. Quand il était ému de compassion pour les foules, il n'a pas changé. Parce que quelque part, ce serait une abomination, ce serait insultant de dire « Oui, mais autrefois, Jésus, il aimait bien les gens. Bon, c'était en Israël, mais maintenant, c'est plus pareil. » C'est pareil. Jésus est le même. Si autrefois, quand il allait de ville en ville faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du malin, il n'a pas changé aujourd'hui. Il est le même. Et ne vous y trompez pas, il n'y a en lui aucun changement, aucune variation. Et quand on lit la Bible, on se dit, waouh, tout est possible. Tout ce qu'il a fait, il le fait encore. Et même Jésus va jusqu'à dire, bien plus encore que ce que vous avez vu. Hébreux chapitre 3, verset 12, voilà ce que, on va finir avec l'épître aux Hébreux. Hébreux 3, 12, frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Et ça, c'est un avertissement que la Bible nous donne ce matin. Et je vous invite à faire une introspection et de dire quel est l'état de votre cœur. Est-ce que votre cœur est mauvais, incrédule, et vous pousse à vous détourner du Dieu vivant? Il dit plutôt, encouragez-vous donc les uns les autres. Et c'est ce que je veux faire ce matin avec vous, vous encourager. Encouragez-vous donc les uns les autres, chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. Il utilise des mots assez forts, même si c'est dans la Bible en français courant ici, il dit que personne ne refuse de comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « j'arrive pas à comprendre », c'est quelqu'un qui dit « je veux pas comprendre ». Ce matin, ne te trompe pas, ne refuse pas de comprendre. Dieu est formidable, il est extraordinaire et il n'a pas changé. En effet, verset 14, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Si nous gardons jusqu'à la fin la confiance, la foi que nous avons eue au commencement. Est-ce que ça a changé entre le commencement et maintenant? C'était comment au début quand tu venais à l'église? C'était comment au début quand tu t'es approché de Jésus? C'est quoi la confiance que tu avais en lui? C'est quoi la foi que tu as mis en lui? Est-ce que c'est la même aujourd'hui ou ça s'est effrité, ça s'est affaibli? Ça devrait au contraire s'amplifier et garder cette confiance-là. Et un dernier verset, toujours dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Et j'aimerais qu'on puisse conclure avec ça et de dire ce matin, il faut qu'on s'approche de lui. Pas qu'on s'éloigne, qu'on s'approche. Mais notez bien, approchons-nous avec assurance. Qu'on vienne, non pas en disant, je viens et peut-être. Non, non, je viens parce que je suis sûr. C'est ça l'assurance. L'assurance, c'est quelqu'un qui est sûr. Approche-toi ce matin avec assurance. Approche-toi avec assurance, non pas d'un homme, non pas d'une église, non pas d'un système religieux, non pas d'un mouvement religieux, mais approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Le trône, ça parle de majesté, de royauté, d'autorité. Réalise qu'il est le Seigneur des Seigneurs et c'est un trône de grâce. C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits pour toi, c'est une grâce, c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est une grâce. Alors quand tu réalises ces choses, que tu te souviens de ces choses, tu peux t'approcher ce matin avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. Il ne dit pas « afin que peut-être tu obtiennes », mais c'est pour obtenir que tu t'approches. Ce matin, aie cette foi, cette confiance, approche-toi de Dieu avec assurance, parce qu'en lui, tu obtiens miséricorde et tu trouves grâce pour être secouru dans
tes besoins. Dieu fait cette promesse. Et même l'apôtre Paul va dire, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, sa miséricorde, sa grâce. » Et ce matin encore, il veut te secourir dans tes besoins. Parce que oui, il a fait des choses extraordinaires. Oui, il fait des choses extraordinaires. Mais dans tes besoins ce matin, et je sais qu'il y a toutes sortes de situations ce matin, et peut-être même des gens qui nous écoutent sur Internet ou à la télévision qui disent « Moi, j'ai un besoin, c'est tellement grand. » Mais quelle que soit la grandeur de ton besoin, Dieu est plus grand. Il est extraordinaire. Et il est celui qui veut te secourir ce matin. Alors, on va prier. Et on va s'approcher du trône de sa grâce. Seigneur, nous venons devant toi ce matin, nous venons avec foi, en disant, Seigneur, tu es le Dieu extraordinaire, parce que tu as fait des choses extraordinaires. Tu es le Dieu extraordinaire parce que tu fais aujourd'hui des choses extraordinaires. Et même dans nos défis, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos tensions, tu connais, Seigneur, et nous savons ce matin avec assurance que tu es celui qui nous secourt dans nos besoins d'une manière extraordinaire et formidable. Seigneur, je prie que ta parole suscite la foi, que ta parole encourage ce matin et que celui qui était là avec abattement, celui qui était là avec tristesse, celui qui était là avec doute et crainte, Seigneur, viens mettre en lui une assurance, une foi ferme, que tu es le Dieu qui ne change pas, que ce que tu as fait dans le passé, tu le fais aujourd'hui encore, que ce que tu as fait à l'époque de la Bible, mais ce que tu as fait quand on était plus jeune, ce que tu as fait l'année passée, tu le fais aujourd'hui encore, et que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, afin d'être secouru dans nos besoins. Tu vois celui qui a besoin d'être sauvé, Seigneur, tu le secours ce matin. Tu vois celui qui a besoin d'un miracle dans sa vie, que ce soit dans un combat avec la maladie, que ce soit dans toutes sortes de combats avec ses pensées, avec une mauvaise humeur, avec le pardon qui a du mal à prendre place. Seigneur, tu vois tous ces combats et ces luttes, celui qui a des problèmes familiaux, celui qui a des problèmes dans son couple, celui qui est pris par des mauvaises habitudes et qui n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, nous pouvons être secourus ce matin et nous nous approchons de toi avec assurance. Nous venons devant toi. Que ton esprit vienne sceller ces choses dans nos cœurs maintenant. Amen.